Prends simplement une décision, dis-lui. Dis-lui la décision que tu as prise ce soir. Dis à ton Dieu la décision que tu prends ce soir. Dis-lui la décision que tu prends ce soir. Il a dit, je vais devant toi. La bénédiction et la malédiction. Mais je te dis de choisir la bénédiction afin que tu vives. Choisis la bénédiction ce soir. Je choisis la bénédiction pour toi. Parce que ton cœur change mon cœur à toi.
Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Acclamons Jésus, lève-toi, acclame Jésus, acclame Jésus. Amen. Oh bien-aimé, nous avons été grandement bénis. Amen. L'homme de Dieu, pour ceux qui viennent d'arriver, nous avons terminé. Mais je vais vous dire simplement quelque chose, nous avons parlé de la malédiction consciente. Amen. L'homme de Dieu a parlé de la malédiction consciente, parce que le thème de ce séminaire, c'est la victoire sur la malédiction. Et l'homme de Dieu nous a dit ce soir, que les actes que nous posons amènent les malédictions dans nos vies. Vous pouvez vous asseoir, merci beaucoup. Les certains actes que nous avons posés, là où nous avons marché, les hommes avec qui nous sommes sortis, les femmes avec qui nous avons couché, là où nous avons été volés, chaque acte que nous avons posé dans notre vie a ouvert une grande porte à la malédiction. Parce qu'il y a des femmes que nous avons connues, d'autres, c'était des marabouts, d'autres des féticheurs, des hommes de foi, c'est des sorciers, des occultistes. Quand tu lui ouvres ton cœur, tu crois avoir un bel homme, une belle femme scintillante, mais au fond, tu ne connais pas son intérieur. Oh, quelque part dans la Bible, il est dit que lorsque tu couches avec une prostituée, toi aussi tu deviens hein, prostituée. Tu as couché avec un occultiste. La Bible dit que tu ne pratiqueras jamais la divination ou l'occultisme. Quand quelqu'un pratique cela, Dieu envoie la malédiction sur cet homme. Or, la malédiction est transmissible. Amen. Amen. Le fait que tu es resté avec cet homme ou avec cette femme, c'est ce qui fait que toi aussi, tu as hérité la malédiction dans ta vie. Même si tu viens d'une bonne famille, même si tu sors d'une famille où il n'y avait peut-être pas de malédiction, mais comme tu as fait la rencontre avec cet homme, avec cette femme, alors toi aussi, tu as hérité. Vous vous êtes partagé la malédiction. Amen. Amen. C'est ce qu'on appelle la malédiction avec cause. Parce que c'est toi-même, c'est moi-même qui ai posé cet acte. Et à cause des actions que j'ai posées, alors l'esprit de la malédiction est rentré. Amen. Amen. Alors, au fil du temps, nous allons parler, l'homme de Dieu a dit que demain, nous allons parler de la malédiction. La malédiction inconsciente, sans cause. Amen. Amen. Il y a beaucoup des actes que nous avons posés. On est parti voler. Surtout comme nous, on est ici, on sait que bon, ce n'est pas comme les magasins en Afrique. Tu rentres là-bas, tu as une chemise. Quand tu ressors, tu en as 10 sur toi. Tu vas quelque part, tu as un copain, mais tu vas en avoir, tu vas avoir 10 copains. Pour qu'on dise non, à celle-là, c'est la plus belle femme de Rennes. Pour qu'on dise que non, celui-là, c'est le plus bel homme de Rennes, qu'on parle de toi. Mais tu ne sais pas qu'en faisant ces actes, tu es en train d'attirer à plus ou moins longue échéance une malédiction sur toi-même. Ce qui fait que de fois, il y a des choses que tu désires, il y a des choses que moi je désire, mais nous n'arrivons pas à vivre ces choses parce que la malédiction est rentrée. Qu'on le veuille ou pas, la malédiction n'a pas de visa, la malédiction ne frappe pas, il n'est pas poli, il rentre comme il veut. Que tu l'acceptes, que tu ne l'acceptes pas, il fait son irruption dans ta vie. Mais toi, avec tes yeux, tu ne vas pas voir la malédiction. Tu ne verras pas sa couleur, tu ne verras pas de quelle taille elle est, mais tu vas seulement sentir les effets. Et ce que tu vis aujourd'hui, ce sont les effets de la malédiction. Mais l'homme de Dieu nous a promis que pendant ce séminaire, nous allons avoir la victoire sur la malédiction. Dites amen. Il nous a simplement dit, à la fin, il faut seulement prendre une décision. Si tu prends une décision, il n'est pas trop tard, Dieu va agir. Par contre, si tu attends, comme disent d'autres personnes, ça va être trop tard. Quand il est trop tard, là-bas, ça sera trop tard. Amen. Amen. Le moment favorable, c'est aujourd'hui. Alors je vais vous donner quand même pour d'autres qui n'ont pas pu relever les versets. Le deux derniers versets que nous avons lus, 2 Pierre,
D'abord Malachie chapitre 2. Malachie chapitre 2, verset 2. Malachie chapitre 2, verset 2. Ça vous allez lire à la maison. Et nous avons lu dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 14. Amen. Amen. Et il y a d'autres versets. Nous avons lu dans Deutéronome chapitre 28, verset 15 à 20. Et nous avons aussi lu dans Deutéronome chapitre 27, verset 16. Amen. Amen. Et on a lu également dans Galates chapitre 3, verset 10. Ceux qui n'ont pas pris le temps de noter, vous avez un panel de versets qui peuvent nous enseigner sur ces choses. Amen. Alors nous sommes arrivés à la fin. Bien-aimé, il y a quelque chose que je voulais quand même rappeler parce que beaucoup de gens ignorent cet aspect. Parce qu'il y a des fois des églises où on va vous enseigner que faut pas le faire. Amen. Amen. Dans Deutéronome, je pense 27, 16, c'est ça? Je pense que c'est là où on a dit honore ton père et ta mère. Ne méprise pas ton père et ta mère. Toi qui penses être plus grand que ton père. Les jeunes garçons aiment toujours être plus grands que leur père. Et les jeunes filles veulent toujours être plus grandes même que leur maman. Mais quand tu méprises ton père et ta mère, la malédiction en tombe sur toi. Et cette malédiction, ce n'est pas, ça ne vient pas que c'est Dieu qui envoie cette malédiction. Mais quand Dieu envoie cette malédiction, ça veut dire que même si tu vas avoir un pasteur, ce que Dieu a mis sur toi, aucun pasteur ne peut enlever ça. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Amen. Oh, tu es comme l'homme de Dieu a dit, tu es là en train de manger, mais ta mère souffre, ton père souffre. Sauf si tu n'as rien, pour que tu ne t'en occupes pas. Mais si tu as quelque chose, il faut t'en occuper. Amen. Amen. Mais quelque part, on va te dire non. Ta mère, elle est sorcière, il ne faut pas t'occuper de lui. Ce n'est pas la parole de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Que ton père est sorcier, il ne faut pas t'occuper de lui. Ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que tu puisses l'honorer. Qu'il soit sorcier, qu'il ne soit pas sorcier, ton problème, c'est de l'honorer. Le reste, Dieu s'occupera de lui. Amen. Dieu va s'occuper de sa sorcellerie. Dieu va s'occuper de sa méchanceté. Moi, mon problème en tant qu'enfant, je m'occupe de lui. Amen. Amen. Ce n'est pas à moi de rendre justice. Amen. Amen. Si je veux sortir de la malédiction, j'obéis à la parole. Si je n'obéis pas à la parole de Dieu, la malédiction est à la parole. Amen. Honorons nos parents. Et surtout les enfants d'ici, ils mangent tellement des yaourts compliqués. Ils ont leur jus spécial. Ils ont, je ne sais pas, leur truc que pour les enfants. Quand ils te regardent, ah, toi maman là aussi. Ah, toi papa là, un vieux papa comme toi. Oh, toi tu ne connais rien, surtout qu'ils ont internet. Non, ce n'est pas parce que vous avez internet si tu méprises. Voilà pourquoi beaucoup des enfants d'ici, vous avez constaté, beaucoup des enfants ici, vous allez voir, la plupart, pour la plupart, tous sont sous la malédiction. Pourquoi? Parce qu'ils n'obéissent pas à leurs parents. Ils ne respectent pas leurs parents. Ils disent, bon, comme on est venu en France, chez les Cananéens, ils marchent comme les Cananéens. Parce que eux, les Cananéens, ils ne respectent pas leurs parents. Ils ne respectent pas leur père, leur mère. Ils font ce qu'ils veulent. Eux aussi viennent rentrer dans la danse. Ils sont quittés là-bas avec une malédiction. Ils viennent rentrer, ils veulent ajouter d'autres malédictions des Cananéens. Et voilà pourquoi vous les trouvez la plupart. Vous allez les voir, ils sont dans la drogue. Amen. Si vous allez en prison, s'il y a 100 prisonniers, il y a 90 qui viennent d'Afrique. Ou qui sont même qui sont nés ici, mais qui sont, comme on dit, des immigrés peut-être de deuxième ou de troisième génération. Amen. Amen. Mais il faut comprendre, si toi tu es un enfant de Dieu, tu obéis à ton père, à ta mère, Dieu va te lever dans ce pays. Amen. Il n'y a pas de raison que Dieu ne te lève pas. Amen. Amen. Dieu va te lever. Alors nous allons prendre ce que tu as amené pour ton Dieu. Nous allons faire l'offrande. Amen. Amen. Prends ce que tu as amené pour ton Dieu. Et pendant que les chants vont s'apprêter,
prendre ton offrande et nous allons prier. Moi, je n'aime pas rappeler ce verset-là tout le temps. Oh, la Bible dit on ne se présente pas dans la maison de Dieu les mains vides. Oh, je n'aime pas. Tu veux donner à ton Dieu, tu donnes à ton Dieu. La Bible dit la main qui donne, c'est celle qui sera comment? C'est celle qui sera bénie. Si tu ne donnes pas, tu ne vas pas être béni. Amen. Alors, tu as pris ton offrande, nous allons nous lever, nous allons prier pour cette offrande. Les chants, soyez prêts. Dès que je donne l'ordre, aussitôt, la louange a commencé. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous venons, Seigneur, dans ta maison avec tout ce que tu nous as donné comme richesse, comme l'or, comme l'argent. Nous voulons, Seigneur, te l'apporter, éternel, ô Dieu, afin, Seigneur, ô Dieu, de pouvoir faire avancer, Seigneur, ô Dieu, l'œuvre de l'éternel. Seigneur, tu nous as dit, éternel Dieu Tout-Puissant, apporter dans la maison du trésor toutes les dîmes, les offrandes, les libéralités, afin que dans ta maison, tu ne manques de rien. Père, ma prière ce soir est que tu puisses bénir toutes les mains, Seigneur, qui vont plonger, Seigneur, dans ce panier. Ô éternel, je viens détruire, Seigneur, toutes les mains sèches. Éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, ô Dieu, qui sont dans l'impossibilité ou l'incapacité, Seigneur, de pouvoir apporter quelque chose dans ta maison. Bénis, Seigneur, guéris ces mains sèches, afin qu'éternel, ô Dieu, à la prochaine occasion, Seigneur, que ces mains, Seigneur, puissent être, éternel, ô Dieu, celles qui vont t'apporter davantage. Voilà pourquoi, Seigneur, ô Dieu, je viens sanctifier, Seigneur, cet argent, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, ô Dieu, dans ton lac de sang. Qu'il soit purifié, éternel, mon Dieu, mon roi, et qu'il serve pour l'avancement de ton œuvre, dans le nom puissant de Jésus. Que les portes, les vents du ciel s'ouvrent pour mon frère et ma soeur. Seigneur, ô Dieu, qui apporte dans ta maison. Bénis-les au-delà de toutes sortes de bénédictions. Que le Seigneur, qu'elle reçoive une bénédiction qui va être, Seigneur, secouée. Oh, qui va, Seigneur, déborder éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur, afin que lorsqu'elle va s'asseoir, Seigneur, ô Dieu, que les hommes, les femmes, Seigneur, qui l'entourent, Seigneur, soient étonnés, éternel, ô Dieu, des grandes œuvres que tu auras opérées, Seigneur, dans la vie de chacun. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Et tous ensemble, nous disons Amen. Amen. Louange, nous allons donner avec joie. Louange, louange, louange. Amen. Ensemble, louons le Père.